durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons Meuse Nature Environnement, MNE pour les intimes, qui fêtera la semaine prochaine ses 55 ans. Nous sommes à Wavincourt avec la coordinatrice de l'association dans le verger magnifique de Massonge, où se déroulera samedi 29 juin 2019 de 8h30 à minuit la fête anniversaire. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Pauline Cochet, bonjour. Bonjour. Pauline Cochet, Meuse, Nature, Environnement, 55 ans déjà. Eh oui, 55 ans déjà. J'étais pas encore née quand l'association a démarré en 64, mais il s'en est passé beaucoup depuis ces 55 dernières années. Et du coup, cette année, on a décidé d'organiser un événement pour fêter cet anniversaire un peu particulier, puisqu'on est dans le département de la Meuse. Et donc, on a prévu un programme très riche lors de la journée du samedi 29 juin 2019. Alors, on va bien sûr revenir dans le détail de ce programme tout à l'heure, mais préalablement, Pauline Cochet, Meuse Nature Environnement, aujourd'hui, quelle est votre actualité? J'imagine qu'elle est assez chargée. Alors, Meuse Nature Environnement, c'est une association loi 1901 qui compte des salariés. Et on a 7 salariés à l'heure actuelle et qui fédèrent entre 100 et 150 adhérents selon les années, avec une cinquantaine de bénévoles actifs. Donc effectivement, l'actualité est riche puisque nous sommes sur plusieurs axes de travail. Nous avons une partie de notre travail qui consiste à développer de la connaissance et à apporter de l'expertise sur certains sujets. Par exemple, on est reconnu pour notre expertise sur la cohabitation entre le loup et l'élevage en plaine. Et on est également reconnu depuis longtemps pour notre expertise sur les vergers. Le patrimoine variétal, notamment dans la région Grand Est. On a un deuxième axe de travail qui consiste à sensibiliser et à diffuser cette connaissance au plus grand nombre. Notre objectif, c'est vraiment d'être le plus accessible possible pour que la connaissance ne soit pas l'apanage de certains, mais puisse être portée par tous. On a un troisième axe de travail qui consiste à accompagner des projets, que ce soit des projets de particuliers ou des projets de différents partenaires. Alors, ça peut être accompagner la création d'un jardin, comme accompagner la mise en place d'un passage protégé à amphibiens lors de la période de migration, ou encore accompagner des éleveurs qui souhaitent mettre en place des mesures de protection contre les prédations. Les thématiques sont assez larges. Et puis, notre dernier axe de travail, et qui n'est pas des moindres, c'est évidemment de défendre l'environnement et de porter la voix de la nature là où on n'entend pas toujours, en participant notamment aux commissions départementales où des décisions politiques sont prises, en s'impliquant dans la lutte contre la gestion non raisonnable des forêts, ou encore en participant avec les différents collectifs à la lutte contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Si je comprends bien, Pauline Cochet, il y a une dimension que je pourrais qualifier de prestation de service, et puis il y a aussi toute cette démarche d'association historiquement militante, c'est ça? Donc l'association est historiquement une association militante qui est d'ailleurs agréée pour la protection de la nature et l'environnement et donc qui est reconnue par l'État pour ses fonctions importantes de défense de la nature. On est aussi là pour faire évoluer et avancer les projets dans une démarche le plus possible de concertation, d'échange et pas forcément de confrontation. Et on a une équipe de salariés professionnels qui ont des compétences techniques qui sont variées et complémentaires sur des thématiques liées à la biodiversité, mais aussi à l'écologie au quotidien, à la conduite d'un jardin et d'un verger au naturel ou d'autres thématiques qui m'échappent peut-être. Dans ce domaine-là, précisément, Pauline Cochet, aujourd'hui, on n'a jamais parlé autant d'écologie et pour autant, les menaces sont de plus en plus importantes. Quelles sont, vous évoquiez tout à l'heure le projet de poubelle nucléaire à Bure, quels sont aujourd'hui les principaux dossiers sur lesquels travaille Meuse Nature Environnement, qui, je le rappelle, fête cette année ses 55 ans, on y viendra tout au long de ce reportage. Voilà, quels sont les dossiers les plus chauds, les plus cruciaux aujourd'hui?
Alors, on a une répartition qui se fait entre les dossiers qui sont traités par l'équipe salariée et puis les dossiers qui sont plus portés par l'équipe bénévole. Au niveau de l'équipe bénévole, il y a une implication très forte dans sur la problématique de la forêt. Et notamment des échanges importants et toute une démarche de concertation avec le gestionnaire forestier pour permettre une gestion qui est plus respectueuse de l'environnement. Et on a également une implication forte de bénévoles sur cette problématique de déchets nucléaires. Au niveau de l'équipe salariée, on a une partie de l'équipe qui est plutôt spécialisée sur les aspects biodiversité en général, faune, flore, et qui a pour mission de faire aimer la nature et de donner envie, et en la faisant connaître. L'objectif n'est pas de toujours culpabiliser les personnes en leur disant « faut faire ci » et « y'a qu'à ». Et en fait, quand les personnes ont passé un temps agréable dans la nature à la découvrir, ils ont plus envie d'en prendre soin. Et puis, on a une partie de l'équipe qui sensibilise sur les gestes, sur le quotidien, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour réduire son impact. Puisqu'une bonne partie de l'équipe et des bénévoles sont aussi présents aujourd'hui pour préparer cette journée du 29 juin ici au Verger des Massonges, c'est un peu au nord-est de Bar-le-Duc, pour les 50 ans de Meuse Nature Environnement. Et on est là très bien installé sous un joli préau. On appelle ça comment, Jean-Marie, un hôtel du bois cordé. C'est tout à fait ça, oui. Travail de bénévole, j'imagine. Alors, Jean-Marie, un hôtel, vous êtes le nouveau président de Meuse Nature Environnement, qui, l'association, n'a pas toujours porté ce nom-là. Non, puisqu'en fait, comme l'a fait remarquer, donc à juste titre, Pauline Cochet tout à l'heure, donc la première association qui s'appelait le Comité Meusien de la Protection des Oiseaux, donc née en 1964, a été en fait à l'origine fait par un instituteur qui s'appelait René Guérinet, un instituteur qui a créé donc un club nature, comme il s'en faisait beaucoup à l'époque. Et il a été vite secondé par Octave Leroux. Hein, et ensemble, en fait, ça a commencé déjà à faire une association. Pourquoi 1964, Jean-Marie? Il y a un événement particulier qui a fait que voilà, il y avait ce besoin de création d'une association en Meuse. Pour le coup, moi j'étais né, hein, puisque. et c'est oui, vrai que. Vous et moi, nous sommes instituteur de village, comme c'était le cas à l'époque, hein, il y avait souvent des instituteurs qui étaient emprunts donc, d'un courant pédagogique type Freiné, donc avec un lien direct entre. L'apprentissage et la nature. Hein. C'était un des instituteurs d'une génération. Hein, En même temps, oui. Jean-Marie Anotel, à cette époque-là, l'écologie commençait à émerger. Elle n'était pas forcément bien vue comme étant plutôt contraire au développement des Trente Glorieuses. Ce n'est pas la même ambiance. Non, effectivement, puisque le plan Marshall ayant passé par là, et avec une culture qui commençait, enfin la culture agricole qui commençait à s'intensifier, je crois que les puristes ont vite ressenti ce besoin, effectivement, de contrebalancer les nouvelles méthodes agricoles qui se mettaient en place. C'est les années 50, 60 au niveau agricole, jusque pratiquement aujourd'hui, j'irais, sont en train de. Enfin, la réflexion est bien en train de mûrir et se rendre compte que finalement, de 60 à 80-90, on a été peut-être, on l'espère, au pire d'un modèle économique rural. On espère que vous ayez raison, Jean-Marie Anotel. À quel moment l'association devient-elle Meuse Nature Environnement? Alors, de mémoire, parce que elle a porté plusieurs noms. En 82, elle s'est appelée la Sommépan. Et puis, en fait, ça doit être dans les années 90. Date, d'ailleurs, où on a commencé à avoir des salariés. Hein, les premiers salariés sont arrivés en 90 sous forme de contrat aidé. Hein, c'était TUC ou... Je ne saurais plus dire les appellations qu'il y avait à l'époque. Hein, donc, on a une première salariée, Régine Milarakis, secondée avec Véronique Achard, comme secrétaire. Et ensemble, elles ont déjà bien œuvré. Et on a aussi été porteurs dans le cadre de l'insertion, chantier d'insertion. Et vous faisiez allusion tout à l'heure à notre préau en bois cordé. Il a été en fait monté. Par cette entreprise d'insertion et bien évidemment les bénévoles,
tout en même temps que la création du verger expérimental. Verger où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi dans le titre lui-même, Jean-Marie Hanotel, Meuse, nature, environnement. J'imagine que là, ça fait écho cette fois-ci à France, nature, environnement. Ah, tout à fait, vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est qu'en fait, à partir des années 90, on s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on se fédère à quelque chose de national. Et donc, à l'époque, l'association a choisi effectivement de se raccrocher à France Nature Environnement. Et également, on était porteur aussi de Mirabel, qui est Lorraine Nature Environnement. Hein, c'est un petit peu comme d'autres associations comme la LPO, etc., où il y a une antenne nationale, régionale et locale. Mais avec toute l'autonomie qu'on a, hein, malgré tout, hein, on s'inspire du national, mais on reste autonome, quoi qu'il en soit. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Tout le sang qu'ont versé les hommes dans la plaine et tous les traits passés des causes incertaines ont fait qu'à ce verger il pousse par centaines la rose et le pommier, aussi la marjolaine. Tous ceux qui ont crié que leur mort était vaine, tous ceux qui ont pleuré le front dans la verveine, tous ceux qui ont soufflé là leur dernière haleine ont fait de ce verger sur la rive Lorraine un creux tendre où s'aimer quand les saisons reviennent. Et des arsonnés qui n'eurent le temps même de dire émerveillés, ce sont tes yeux que j'aime. Toutes ces fiancées dont l'attente fut vaine, ces hommes arrachés à leur noce prochaine, sourit à regarder ce que l'amour amène sur l'herbe du verger quand leur bouche s'étreine. Tous ceux qui ont laissé leurs amours quotidiennes, les membres fracassés, le sang hors des veines, tous ceux qu'on a pleuré lors des guerres anciennes, ceux qu'on a oubliés, les sangs non les bohèmes, se lèvent pour chanter quand les amants s'en viennent, insouciants, échanger la caresse sereine qui leur fut refusée au nom d'une rengaine. Tout le sang qu'ont versé les hommes dans la plaine et tous les traits passés des causes incertaines ont fait qu'à ce verger il pousse par centaines la rose et le pommier, aussi la marjolaine. On fait de ce verger sur la rive Lorraine un creux tendre où s'aimer quand les saisons reviennent. Nous sommes toujours en Meuse, à Vavincourt, c'est un peu au nord-est de Bar-le-Duc, où se prépare la grande fête pour les 55 ans de Meuse Nature Environnement, qui se déroulera samedi 29 juin, très précisément dans ce magnifique verger de Massonges, que l'on va bien sûr tout à l'heure visiter. Mais avant cela, j'aimerais que Virginie Duvalet, qui est éducatrice à l'environnement ici à Meuse Nature Environnement, nous présente le programme important et riche de cette journée du samedi 29 juin. Virginie Duvalet, que va-t-il se passer ? Alors en fait, l'idée c'était de présenter toutes les compétences et la richesse de nos partenariats ce jour-là, faire un petit peu comme une vitrine de compétences, hein, parce qu'on se rend compte qu'il y a bien des gens qui ne nous connaissent pas. Et du coup, on a vraiment essayé de déployer un maximum d'activités diverses et variées pour qu'on se rende compte ce qu'une équipe de salariés et une équipe de bénévoles peut proposer pour que le plus grand nombre puisse aimer la nature. Donc c'est une journée qui va commencer tôt avec une sortie rapace, hein, pour laquelle il faut s'inscrire. Et sinon, toutes les autres animations sont des animations gratuites et libres qui seront disponibles à des temps différents. À savoir, il y aura par exemple une initiation à la teinture végétale. Il y aura tout ce qui est fabriquer des peintures avec des plantes sauvages. Il y aura comment on plaisse une haie, comment on peut le faire à la fois pour protéger ses moutons, mais bien sûr aussi pour faire joli dans son jardin. Il y aura une soirée autour du feu, il y aura des guitares, de la musique, c'est un événement festif, c'est l'anniversaire de Meuse Nature Environnement. Il y aura une cuisine participative où chacun pourra venir se restaurer à prix libre. Et ce sera vraiment quelque chose de chouette, hein. C'est un concept un peu différent. Et bien sûr, une participative, Virginie Duvalet, c'est ce qu'on appelait dans le temps une auberge espagnole.
Pas exactement une auberge espagnole. Chacun ramène son pique-nique et on mange tous ensemble. Là, l'idée, c'est une association qui vient cuisiner. Et si on a envie de découper quelques carottes et de donner un coup de main à la cuisine, on peut y participer. Et on fait également son auto-wash, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a un féodé à la vaisselle. Chacun lave sa gamelle. Tout est mis en place pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Alors, avant de poursuivre, Virginie oui. Duvalet, vous parliez d'inscription aux diverses animations. On s'inscrit où précisément ? Alors, l'inscription est obligatoire juste pour la sortie Rapace, hein, qui est la première animation qui a lieu à 8h30. Hein, et on s'inscrit auprès de Meuse Nature Environnement. Vous pouvez appeler le standard au 03 29 76 13 14. Et on le répétera bien sûr. Alors, ce verger, on va le visiter tout à l'heure, Virginie Duvalet, mais il faut quand même préciser qu'il est d'abord très beau, un peu quand même à l'extérieur d'un village, du village de Bavincourt. J'imagine que tout ça sera parfaitement fléché le samedi 29 juin. Oui, bien évidemment, on a une équipe de bénévoles qui depuis plusieurs mois s'amuse à peindre des panneaux et à en mettre vraiment partout de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impair et que chacun puisse se retrouver pour fêter ce temps tous ensemble. Alors, tout ce que vous nous avez présenté jusqu'à présent, ce sont des animations qui sont très nombreuses, mais il n'y a pas que ça, il y a également beaucoup de vos partenaires qui seront présentes, ou présents plutôt, à cette journée du 29 juin pour les 55 ans de Meuse Nature Environnement. Oui, tout à fait. Donc, on a de nombreux partenaires qui vont être présents sur le site, à la fois pour présenter tout le travail qu'on fait avec l'association et eux autour du zéro déchet, sur la forêt, sur l'enfouissement des déchets nucléaires, mais aussi il y aura le thème verger qui est important pour Meuse Nature Environnement, surtout quand on se trouve dans un verger conservatoire, hein, ce qui est le cas pour le verger de Massonge. Il y aura tout ce qui est permaculture, qui sera abordé et il y aura un thème enfance qui sera abordé et cette année on aimerait bien aussi proposer un espace de gratuité où chacun pourra apporter des objets dont ils n'ont plus usage mais qui pourraient encore servir et ce serait dommage que ça parte à la déchetterie et donc chacun pourra ramener des choses dont il n'a plus usage et puis repartir avec des trésors qui en seront pour ceux qui les récupèrent. L'espace de gratuité, on a compris. Pour autant, c'est l'ensemble de la manifestation Virginie Duvalet qui est gratuite. Bien sûr. L'entrée. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut prévoir un petit peu de monnaie pour boire un coup et manger sur place, mais sinon, toutes les activités sont gratuites. Et ça, bien sûr, dans l'idée que le plus grand nombre puisse y participer, parce que l'environnement doit être accessible à tous. Est-ce qu'il fera beau le samedi 29 juin ? Évidemment. Quand Meuse Nature Environnement organise une fête, il fait beau. Vous avez raison. En tout cas, oui. Combien de personnes attendez-vous à cette fête des 55 ans ? On pense que ce n'est pas trop prétentieux d'attendre à peu près 500 personnes sur la journée. Est-ce qu'aujourd'hui, Meuse Nature Environnement est devenue une association incontournable dans la Meuse ? Et est-ce que les Meusiens deviennent-ils un peu plus écolos qu'il y a quelques années, Jean-Marie Anotel ? Bah écoutez, le dernier exemple en date, qui est très récent, me permet de le penser, puisque en fait, j'ai été contacté pas plus tard que dimanche par un professeur de lycée donc de Raymond Poincaré, qui au cours de l'année scolaire 2018-2019, avec sa classe, a monté un atelier donc micro-entreprise. Et en fait, bon, c'est un atelier pédagogique, quoi, en fait. Et comme ils ne peuvent pas encaisser de l'argent et en faire usage personnel, le professeur, tout naturellement, a demandé à ses élèves de comment ils pouvaient disposer, enfin, ce qu'ils allaient faire de cet argent-là. Et en fait, à l'unanimité, les collégiens ont dit on va en faire don à Meuse Nature Environnement. Donc ça veut dire que pour... On sent là la fierté du président. Ah ben, franchement, moi, ça m'a vraiment réjoui, quoi. En fait, des fois, on ne sait pas, on ne se rend pas bien compte. On n'a pas besoin de faire de sondage à partir de cet exemple-là, finalement. Hein. Et d'autant que ce sont des jeunes. Tout à fait. Bah, je pense que, de toute façon, le gros du travail, c'est bien au niveau des scolaires que ça se fait. Et puis, finalement, c'est en train de porter ses fruits, finalement, le travail qui est fait par les animateurs de Meuse Nature Environnement. Et c'est quand même la moindre des choses, puisque nous sommes dans un verger, que les actions portent leurs fruits. Tout à fait. Jean-Marie Anotel, Meuse Nature Environnement ne fonctionne pas, on ne pourrait le croire, ne fonctionne pas pour autant comme une fédération, comme c'est le cas dans d'autres régions en France, mais vous travaillez malgré tout en réseau.
Oui, tout à fait. On est une association, hein, comme l'a fait remarquer Pauline Cochet en préambule, c'est qu'on est une association loi du 1901, mais reconnue d'intérêt public, puisque les donateurs peuvent bénéficier donc d'une réduction fiscale de 66%. Donc, c'est qu'on est bien identifié comme tel. Et de toute façon, on siège aussi aux commissions de manière très officielle, hein, que ce soit le CODERS ou des commissions d'aménagement industriel et commercial, etc. On a une place qui est réservée donc en tant qu'association reconnue comme d'intérêt public. Sur la très belle affiche qui présente cette fête du samedi 29 juin 2019 à Vavincourt au verger de Massonge pour les 55 ans de Meuse Nature Environnement, Jean-Marie Anotel, en bas vous avez une série de partenaires dont le logo du département de Meuse. Comment ça se gère lorsque l'on sait, et Pauline Cochet l'a évoqué tout à l'heure, malheureusement aujourd'hui évoquer la Meuse, ça n'évoque plus les magnifiques paysages, ça n'évoque plus la forêt, ça évoque d'abord le projet de poubelle nucléaire. Comment on gère ça ? Eh bien, en réalité, le conseil départemental est un partenaire. Hein. En fait, le choix politique du conseil départemental est de toute façon de mettre en action des actions de l'éducation à l'environnement. Et en fait, comme Meuse Nature Environnement, à travers les animateurs que nous avons, ont la compétence. Et donc, du coup, on est payé pour faire un travail que le conseil départemental s'est engagé à faire. Pour autant, effectivement, par rapport à Bure et d'autres dossiers délicats, on reste quand même libre de nos engagements. Pauline Cochet, vous êtes la coordinatrice de Meuse Nature Environnement. Sur le plan de ce verger de Massonge où se déroulera le 55e anniversaire de Meuse Nature Environnement ici à Vavincourt, je vois un stand intitulé « Loups et rapaces ». Les rapaces, il y a quelques années encore, c'est pas si vieux, avaient très mauvaise presse. Les choses ont beaucoup évolué par rapport à cela, parce que grâce au travail d'ailleurs des associations qui ont œuvré pour faire tomber ces représentations complètement erronées à l'égard du rapace, le loup c'est un peu plus délicat encore aujourd'hui. Est-ce que c'est l'occasion aussi pour Meuse Nature Environnement de faire venir un public et de créer un débat et de faire progresser peut-être la perception que l'on peut avoir encore aujourd'hui de certains animaux? Alors, nous, notre rôle, c'est vraiment un rôle de médiation et de sensibilisation. Et depuis 2014, on s'est impliqué sur la thématique du retour du loup en plaine, qui est quelque chose de complètement inédit sur le territoire. Et après 5 années de travail aux côtés des éleveurs pour bien comprendre la problématique qui est vraiment spécifique sur ce territoire, qui n'est pas un territoire de montagne, on peut animer des stands et échanger avec le public pour à la fois faire comprendre au public les vrais enjeux de cette problématique-là et casser ce clivage qui nous est pénible d'être pro ou anti-loup. La réponse, elle est au milieu. En fait, nous, MNE, on est opposés aux prédations qui sont subies par les éleveurs et on essaye d'accompagner les éleveurs pour trouver les solutions les moins difficiles pour préserver leurs troupeaux. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Ça vient qu'il t'a la pomme, veut pas me laisser entrer. Car il m'a demandé
lumière de vos mailles, je suis pas capable. De la montagne de deux, je suis pas capable. De la montagne de deux, je suis pas capable d'y arriver. Sur la montagne de deux, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable d'y arriver. Car il m'a demandé, êtes-vous marié? Car il m'a demandé, êtes-vous marié? J'ai bien cherché partout, j'ai pas pu m'en trouver, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable d'y arriver. Sur la montagne de deux, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable d'y arriver. J'ai cherché partout, j'ai pas pu m'en trouver. J'ai bien cherché partout, j'ai pas pu m'en trouver. Vous en avez jamais fait, dit tant que vous m'avez dit, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable d'y arriver. Sur la montagne de deux, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable d'y arriver. Vous en avez jamais fait, tant que vous m'avez dit, vous en avez jamais fait, tant que vous m'avez dit. Car la montagne de deux, c'est tellement enragé, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable d'y arriver. Sur la montagne de deux, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable. Sur la montagne de deux, je suis pas capable d'y arriver. Nature Environnement fête ses 55 ans, samedi 29 juin 2019 au verger de Massonges, ce magnifique verger où nous sommes aujourd'hui avec Virginie Duvalet. On va essayer de s'imaginer, là on est à quelques jours de cette fête, on va essayer de s'imaginer comment ça va se dérouler. Donc là on est à l'entrée, entrée gratuite, on y rentre librement. Virginie, comment est-ce qu'on pourrait décrire le lieu ? Alors, c'est un verger qui est collé à la forêt de Massonges, donc juste à côté de Wavincourt. Un hectare quand même. Un hectare hein, qui était au départ expérimental pour identifier les variétés, parce que mon job, c'est d'être pomologue et d'identifier les variétés, de faire des vergers conservatoires. Hein. Donc, on avait un chantier d'insertion qui travaillait là. Et donc, le site est enserré d'une haie sauvage et naturelle. En partie, elle a été plessée et tressée pour montrer cette technique au plus grand nombre. Et elle est bordée des arbres de la forêt, donc qui est composée de hêtres et de chênes qui parfois sont vraiment centenaires. Alors, ce n'est pas un verger si ancien que ça, néanmoins totalement traditionnel. Oui, alors c'est du verger aux tiges qui est traditionnel, qui est composé de variétés, on va dire plutôt sur la droite, de variétés régionales et ou nationales, mais plutôt des pommes à couteau, donc qu'on peut consommer comme ça. Par contre, pour la partie de gauche, ça va plutôt être des variétés à cidre et de Normandie notamment, qu'on a retrouvées en Meuse et qu'on a importées pour pouvoir faire des identifications, parce que suite aux différentes guerres, beaucoup de départements, de régions et même de pays étrangers nous ont envoyé des variétés pour repeupler un peu nos terrains nus par les bombes. Et du coup, on a des tas de variétés dans notre département et même dans la région Lorraine qu'on ne connaît pas. Donc, il fallait qu'on ait un témoin pour pouvoir identifier des variétés, ce qui explique qu'on a des fréquins blancs, des binets rouges et des variétés comme ça. Alors, précisément, combien de variétés, alors déjà d'espèces différentes Virginie Duvalet, et puis au sein de chaque espèce, combien de variétés ? Alors, on a à peu près une centaine de variétés. Il y en a très peu qui sont en double et l'identification est encore en cours parce qu'il y a des variétés, on a beau les rapprocher, elles ne correspondent pas aux descriptions qu'on a dans les livres. Les livres, sachant qu'ils ont été écrits il y a plus d'une centaine d'années, parfois dans d'autres régions. Donc les certitudes en pomologie, c'est de ça qu'il faut s'affranchir quand on veut avancer, parce que si on reste coincé dans juste ce qui est décrit, en fait on n'arrive pas du tout à avancer. Il n'y a pas de certitude, c'est pas de la lecture génétique qu'on fait, c'est vraiment de l'observation et d'un terrain
un autre, ça peut vraiment varier. Donc le travail est encore long pour identifier toutes les variétés. Ceci dit, on a quelques certitudes sur un certain nombre de variétés et celles-ci seront étiquetées ce jour-là avec une fiche descriptive pour pouvoir faire connaître au plus grand nombre la diversité des variétés de notre secteur et faire aimer des variétés qu'ils peuvent encore trouver chez certains pépiniéristes. Alors évidemment, le 29 juin pour les 55 ans de Meuse Nature Environnement qui se dérouleront ici dans ce verger de Massonge, ça sera aussi l'occasion, au-delà des partenaires qui seront présents et qui présenteront leur activité, ce sera aussi l'occasion, j'imagine, de découvrir ce magnifique verger. C'est ce qu'on appelle, Virginie Duval, un pré-verger. C'est ce qu'on peut appeler un pré-verger, effectivement. À une nuance près, c'est qu'on n'y met pas de moutons. Parce que ça nécessiterait qu'on protège les arbres et qu'on mette des grillages partout, ce qui complique un peu l'entretien. C'est du suivi quand même de suivre les moutons, donc du coup on ne le fait pas. Mais effectivement, c'est un pré-verger et on y trouve toutes sortes de fleurs sauvages, des orchidées, pyramidalis en grand nombre cette année qu'on a trouvées. On va avancer un petit peu puisque nous étions tout à l'heure dans ce préau en bois cordé. On est revenu ici à l'entrée de ce verger pour s'imaginer comment va se dérouler les 55 ans, cette fête des 55 ans, samedi 29 juin, ici au verger de Massonge. Nous sommes un peu au nord-est de Bar-le-Duc, sur la commune de Wavincourt. Alors, les bénévoles... grâce à notre présence d'ailleurs, parce que sinon on n'aurait plus rien entendu à cause des broussailleuses et des tronçonneuses, font une pause. Ils sont là sous un quoi ? Sous l'arbre à palabres. En fait, c'est le noyer et on l'appelle toujours comme ça. Et d'ailleurs, à l'occasion du 29 juin, on a décidé que cet arbre à palabres serait aussi un arbre d'expression, puisqu'on va demander aux gens de nous dire qu'est-ce qu'ils attendent précisément de Meuse Nature Environnement, sur quel sujet ils voudraient qu'on se positionne. Ça nous permettra de connaître un peu la vie de chacun et quel type d'animation ou de formation ils souhaiteraient voir être proposé par MNE. Et comme ça nous donnera certainement un meilleur aperçu aussi des envies de chacun. Donc cet arbre sera couvert de petites enveloppes où chacun pourra s'exprimer. Pour quelles raisons ces vergers traditionnels qui représentent un patrimoine génétique considérable? Vous parliez tout à l'heure de 100 variétés. Si on compare avec ce que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce, c'est peut-être 10 fois plus, parfois même 100 fois plus. Mmh. Cette diversité variétale, Virginie Duvalet, c'est un patrimoine. Pourquoi les vergers traditionnels ont-ils disparu? Alors, je pense qu'il y a une transmission qui ne s'est pas faite. La venue des supermarchés a facilité les choses. On va chercher au supermarché son kilo de pommes la semaine où on en a besoin et on n'a pas besoin de stocker, on n'a pas besoin de suivre, on n'a pas besoin d'entretenir le verger, on n'a pas besoin de savoir tailler, on n'a pas besoin de savoir greffer. Et toutes ces techniques-là, à un moment, dans un souci de modernité et de gain de temps, on s'en est émancipé et du coup, le savoir n'a pas été transmis. Du coup, même pour ceux qui en héritent, ils ne savent pas quoi faire, ils sont débordés. Et donc, nous, on avait remis en place des stages de greffage, de taille. Et lors d'opération Tempête avec le département, on avait replanté près de 50 000 arbres en Meuse. Mais c'était accompagné et de conseils et de formations pour que les gens, petit à petit, aient aussi les outils pour revenir vers ça. Parce qu'on sent bien qu'il y a une envie à la fois de jardiner, mais d'avoir ses propres produits locaux de qualité, quoi. Quand vous dites cette envie, Virginie Duvalet, c'est votre fantasme, votre désir, ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous avez de plus en plus de gens qui disent, voilà, moi j'ai besoin, j'ai envie de replanter des arbres, j'aimerais retrouver des vieilles variétés, j'aimerais pourquoi pas faire du cidre, pourquoi pas réapprendre à distiller? Est-ce qu'il y a une vraie demande? Est-ce qu'on observe sur le terrain véritablement cette évolution? Alors, je dirais que ça a certainement été un fantasme, un rêve, une utopie, ça fait 20 ans maintenant que je suis à Meuse Nature Environnement et je vois les graines qui ont été semées et je vois effectivement de plus en plus de gens qui viennent vers nous pour nous poser des questions et notamment au niveau du jardin, il y a vraiment une très grosse demande, pas que dans les écoles, mais des tas de particuliers qui ont envie de s'y remettre. Je connais plein de gens qui ont envie de refaire des boissons familiales. On a fait une sortie plantes sauvages comestibles dernière. Dernièrement, ça a remporté un vif succès, les gens étaient vraiment enchantés. Et en fait, du fantasme, on est passé à la réalité. Ça me laisse penser que en fait, la pensée crée, donc à force d'y croire, on y arrive, quoi. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Alors ça, Virginie Duvalet, dans le verger de mon grand-père, il n'y avait pas ça.
mon grand-père, à moins d'être pas dans son état normal, n'aurait jamais accroché entre deux arbres une corde avec des vieilles casseroles et des fourchettes pour faire du bruit. Ah oui, effectivement. Alors, on n'est pas dans le verger de votre grand-père. Hein. Le verger, il a quand même un autre aspect. C'est aussi le verger qui accueille les mini-mercredis de Massonge qui ont lieu chaque premier mercredi du mois et qui sont des clubs nature où les enfants viennent et parce qu'on constate quand même un syndrome de manque de nature et où le concept, c'est que les enfants puissent s'amuser librement. On a des outils à disposition, mais on leur donne envie d'être libre de jouer à ce qu'ils veulent. Et ça a été une demande des enfants de faire un sentier sonore puisqu'on avait déjà fait avec eux, on leur avait proposé de faire un sentier sensoriel pour les pieds nus et on leur avait demandé ça, c'est de l'espace trouver... qu'on a juste à côté. C'est là. L'espace juste à côté et on leur avait demandé d'imaginer sur quoi on pouvait marcher pour avoir des sensations différentes. Et suite à cette création-là, il y a eu la spirale aromatique pour tout ce qui est développé des sens au niveau de l'odorat. Et puis ils disaient, mais les oreilles, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On voudrait faire de la musique parce qu'il y a plein d'oiseaux qui chantent, mais ils avaient envie de faire leur sonorité aussi et du coup on s'est posé la question mais comment on va faire ça et ils ont proposé les casseroles, donc chacun a ramené des casseroles, des cuillères en bois et des gamelles pour pouvoir faire ça. Parce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de bruit. On va remonter, on va terminer cette visite de ce verger de Massonge qui accueillera samedi 29 juin 2019 les 55 ans de Meuse Nature, vraiment dans ce vraiment très beau préau fleuri en plus en bois cordé, Virginie Duvalet. Oui, alors c'est un préau qui a été construit à l'époque en bois cordé par le chantier d'insertion, puisqu'on avait un chantier d'insertion pour faire tout ce qui était... À l'époque, c'est quelle année ? À l'époque, c'était en 2004-2005. Hein, et on avait construit ce préau-là pour pouvoir avoir un abri quand on fait des animations. La technique est une technique qui ne nous appartient pas. Elle est bien connue. Hein, Marie-Antoinette, elle avait une petite maison comme ça. Et c'est vraiment une technique intéressante pour être isolé. Mais comme me faisait remarquer un enfant, ça ne sert à rien de faire un mur en bois cordé super isolé si finalement il n'y a pas de fenêtre et que l'énergie s'en va par tous les trous. Et c'était très pertinent. Mais en tout cas, le préau en bois cordé, oui, il tient bien. Il nécessiterait d'être enduit. Si on avait un petit peu plus de bénévoles, peut-être on se lancerait dans un chantier pour enduire le bois cordé et le faire durer plus longtemps. Mais en tout cas, il se prête bien à toutes les formes d'animation. Nous en serons au temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant le corail qu'on cueille en. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines.
tant les cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Sylvie Picard, vous êtes l'une des bénévoles de Meuse Nature Environnement. Vous participez activement, notamment à la préparation de cette fête pour les 55 ans de cette association meusienne, samedi 29 juin à Varvincourt, dans le magnifique verger de Massonges que l'on vient de découvrir. Qu'est-ce qui vous a amené à vous investir autant dans cette association et quel est votre parcours ? Comme beaucoup de monde, depuis toute petite, je suis toujours dans la nature. Mes parents m'y ont emmené, mes grands-parents, on a fait de longues balades en forêt. Et ce qui me motive, c'est de protéger l'environnement, de la sauvegarde des espèces, que ce soit animales, végétales. Voilà, c'est vraiment important pour moi. Et votre parcours personnel, est-ce qu'il est compatible précisément avec cet engagement ? C'était pas spécialement mon domaine. Hein. Je vous travaillais... pose la question autrement, vous faites quoi dans la vie ? Bah, maintenant, je ne suis plus dans la vie active. Je suis toujours salariée, mais je ne travaille plus. Ce qui me permet de m'investir énormément dans les différentes manifestations, préparation d'événements, en aide à l'équipe salariée de différentes manières. Comment est-ce que vous réagissez au fait qu'aujourd'hui, ceux qui détruisent l'environnement, la nature, s'enrichissent considérablement, et la protection de la nature, la protection de l'environnement et le fait de bénévoles ? Est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête ? C'est un peu compliqué, oui. C'est vrai que c'est, comme vous dites, on marche un peu sur la tête. Mais bon, nous, notre rôle, c'est de sensibiliser les gens. On fait un maximum pour leur faire comprendre les intérêts de certaines choses, que ce soit au niveau même de l'eau, le zéro déchet, le recyclage. Et en même temps, votre domaine de prédilection, Sylvie Picard, c'est le loup. Voilà. Avec aussi une évolution importante peut-être dans la stratégie même de défense de cet animal emblématique. Et vous dites d'ailleurs que ce n'est pas que la défense du loup qui vous intéresse ? Non, ce n'est pas uniquement la défense du loup. C'est aussi l'aide que l'on apporte aux éleveurs. C'est vraiment important. On veut que le loup et l'éleveur vivent en harmonie, on va dire. Et si au départ, ce n'était pas gagné, on a fait vraiment beaucoup de progrès. À ce niveau-là, on a un lien très très fort avec les éleveurs. C'est une évolution aussi dans la culture, dans la pratique associative, après tout, cette passer de la confrontation à plutôt une recherche de partenariat. Bah, je pense que c'est important d'être plutôt dans la médiation que dans la confrontation, dans tous les domaines. Hein. C'est ce qui fait avancer les choses. Hein. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Pauline Cochet, quand on est comme vous, coordinatrice de Meuse Nature Environnement, un des piliers forcément à ce titre de la fête des 55 ans qui va se dérouler à Varvincourt, c'est au nord-est de Bar-le-Duc, samedi 29 juin 2019, entrée libre et gratuite bien sûr, et c'est toute la journée. Quand on est comme vous, coordinatrice de Meuse Nature Environnement, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Alors nous, à Meuse Nature Environnement, on aime quand même bien l'optimisme et l'enthousiasme et la convivialité et le plaisir font partie intégrante des actions qu'on mène. Et c'est d'ailleurs écrit dans notre projet associatif qui a été refait il y a quelques années.
Il n'empêche que on peut être parfois un peu agacé ou énervé par par certains sujets ou certaines choses qui se passent et qui ne font pas trop avancer le débat. Par exemple, on travaille depuis 5 ans sur la problématique du retour du loup en plaine sur le secteur. Alors, on a commencé à travailler sur cette thématique-là en Meuse et puis ça s'est étendu au territoire du Grand Est, hein, puisque le loup a colonisé plusieurs départements de plaine. Et à l'heure actuelle, on travaille beaucoup sur le secteur de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Et ça fait 5 années que nous écoutons et nous accompagnons des éleveurs et que nous prenons en considération leurs vraies problématiques et leurs vraies contraintes, que ce soit financières, techniques et également les impacts sociaux que peut avoir le retour du loup. Et on se bat contre le fait de dire on est pro ou on est anti-loup. En fait, on trouve que cette question, elle sert à rien. Que dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord ne change rien, on a besoin d'être constructif. Et la posture de médiation qu'on a et de concertation nous a amené à travailler dans le cadre d'un réel partenariat avec le monde de l'élevage. Et on aimerait bien qu'on arrête de nous demander si on est pour ou si on est contre le loup. En fait, pour prendre un peu de hauteur, on peut juste dire que le loup, il n'en a rien à faire, qu'on soit pour ou qu'on soit contre lui. Le loup, il est de retour sur le territoire. Et même quand il y a eu des autorisations d'abattage, personne n'a réussi à l'abattre. Et nous, en fait, ce qui est important pour nous, c'est de se battre contre les prédations qui sont subies par les éleveurs, qui n'ont rien demandé. Et on ne peut pas juste leur dire « il n'y a qu'à faucon, il faut adapter ses méthodes de travail ». Quand vous dites « on est agacé par cette volonté d'opposition », finalement, c'est qui qui pratique cette opposition? Alors, ça peut être la presse qui va aborder cette thématique-là sous forme de quelques secondes ou une à deux minutes dans un journal ou dans un article et qui, du coup, ne peut pas, dans ce format-là, prendre en considération la complexité du problème. Mais ça peut être aussi, parfois, des personnes qu'on rencontre dans le cadre du public qui peuvent avoir décidé une position, ils sont pour ou ils sont contre. Et on a besoin de temps pour pouvoir échanger et aborder les différents aspects de la problématique. Et souvent, le public, en fait, est réceptif et est capable d'entendre que c'est plus compliqué que ce qu'a ça en a l'air. Par contre, il faut qu'on ait du temps pour ça. Ça veut dire aussi, Pauline Cochet, qu'on peut imaginer qu'on trouve des éleveurs qui sont dans une posture de réflexion et de recherche de solutions et loin d'être là aussi, peut-être, certains sont exposés à la lumière parce que ce sont les plus virulents, alors qu'il y a des éleveurs qui sont tout à fait disposés à discuter de la cohabitation avec le loup. Je pense que la majorité, en fait, sont à la recherche de solutions, puisque de toute façon, c'est eux qui le subissent. Et ils se rendent bien compte que être pour ou contre ne change rien, ça ne fait pas diminuer les attaques. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est à notre échelle, notre petite participation, c'est d'apporter du soutien et de l'expertise, parce qu'on a expérimenté un certain nombre de mesures de protection, qu'on est aussi en capacité de dire qu'il y a des mesures de protection qui ne fonctionnent pas, ou des mesures qui sont difficiles à mettre en œuvre dans notre contexte. Mais la plupart des éleveurs, une fois qu'on a passé la barrière de posture, de se dire nous on est une asso d'écolo et vous êtes éleveur, en fait on se rend compte que on discute très bien, on est capable d'avoir un échange constructif et de mettre en place un vrai plan de préservation de leur troupeau. Et ça vous fait pratiquement rebaptiser ou revoir votre coup de qui a démarré comme un coup de gueule et qui finalement termine presque comme un coup de gueule, Pauline Cochet. Je propose qu'on se revoie prochainement pour un reportage complet, précisément sur le retour du loup, notamment en Meuse. Ça, avec c'était plaisir. Votre coup de gueule. Et vous disiez tout à l'heure aussi, Meuse Environnement, c'est bien sûr aussi la joie de vivre, votre coup de cœur cette fois-ci. Alors, au niveau coup de cœur, je trouve que ce qui nous définit et ce qui nous plaît beaucoup, c'est de travailler avec les autres, que ce soit travailler avec des particuliers, travailler avec notre équipe de bénévoles qui se renouvelle ou travailler avec d'autres structures, associations ou autres.
Et dernièrement, on a organisé plusieurs événements en partenariat avec d'autres. Alors en 2018, on a organisé une opération zéro déchet. On était une dizaine de partenaires à organiser 5 grosses journées de sensibilisation. On a touché plus de 1200 personnes grâce à la mobilisation de tous. C'était vraiment une grande réussite. Et cette année, on a proposé à des partenaires sur lesquels avec lesquels on travaille sur différentes thématiques, par exemple le jardin, le zéro déchet, l'alimentation, la pédagogie, etc. On leur a proposé d'animer avec nous le marché bio, l'emblématique marché bio de Bar-le-Duc. Et plutôt que chacun ait son petit stand l'un à côté de l'autre, on a décidé ensemble d'occuper un espace de 8 stands, mais de les animer par thématique et non par structure. Ce qui fait qu'il y avait un espace de conseil et de sensibilisation à la forêt, au jardin, à l'alimentation, à la permaculture, à l'enfance, au zéro déchet. Et ça a permis à des structures très diverses de partager leurs compétences. Alors parfois, ce sont des compétences, j'ai envie de dire, identiques ou semblables à celles de Meuse Nature Environnement, puisqu'on est une association très polyvalente. Et parfois, ce sont des compétences complémentaires. Et ça a permis à la fois à des collectivités, mais à l'association ou à des structures qui sont des entreprises, de parler de leur activité, mais aussi des thèmes qui leur tiennent à cœur en termes de développement durable. Voilà pour ce reportage sur le 55e anniversaire de l'association Meuse Nature Environnement qui se déroulera à Wavincourt, c'est au nord-est de Bar-le-Duc, samedi 29 juin 2019 de 8h30 à minuit au verger de Massonge, avec Pauline Cochet, Virginie Duvalet, Sylvie Picard et Jean-Marie Anotel, respectivement coordinatrice, éducatrice à l'environnement, bénévole et présidente de Meuse Nature Environnement. Pour en savoir plus, venir à la fête, s'inscrire à certains ateliers et ou, plus généralement, soutenir les actions de Meuse Nature Environnement, rendez-vous sur meuse-nature-environnement.org. Vous avez pu écouter, dans l'ordre, Le Verger de Lorraine par Monique Cerf, alias Barbara bien sûr, sortie en Super 45 Tours en 1962. La Montagne du Loup par le groupe québécois La Bottine Souriante, paru sur l'album Y a ben du changement, sorti en 1978. Et enfin, Le Temps des Cerises, musique d'Antoine Renard, composée en 1868 sur des paroles écrites 2 ans plus tôt par le communard Jean-Baptiste Clément, interprétée ici par Cora Vauquer en 1955. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.